C'est long. Le moment nul. Le moment nul. Ah non, c'est une minute quoi après. Yo les amis, voilà, il retape des mains comme d'habitude. Ah, il adore. On est de retour sur cette chaîne ludique et à la fois lucrative. Lunaire. On va pas se mentir. Lunaire. Ludovic. Tu dois trouver un mot en lu. Lu. Ah mais il est. Et voilà, et t'as gagné, et c'est toi qui as gagné. On est toujours, toujours, ça c'est une constante avec des invités. Trié sur le volet. Trié sur le volet. Trié sur le volet. Alors, Dany le Russe à ma gauche, le Russe le plus connu de France. C'est ça. Est-ce qu'il y a un Russe plus connu que toi en France? Non. On est avec Ibra, il y a Alban Ivanov qui a des origines. Après, il a des origines. Est-ce qu'on compte? Je sais pas. Il y a Vladimir Poutine aussi. Non, en France. Toi, hein, Russe de France, on a dit. Russe de France, d'accord. Ouais, France. Une minute de pénalité, tu sais. De toi. C'est toi? Effectivement, oui. Anis, le rebeu le plus connu de France. Ça va être compliqué. Hein. C'est pas toi? Non. Je crois que je suis même pas top 100, mec. En rebeu connu, il y en a vachement. Hein. Je suis 127ème. Rien que sur les footballeurs. Top les... 150, je pense. T'es top 150. Ah, ça, il devrait faire un classement des rebeux connus en France. Toi, t'es combien, toi? Ils font ça sur BFM, hein, souvent. C'est pas un classement où t'as envie d'apparaître, mais c'est... Un classement à l'envers. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de cette vidéo? Bien sûr. Vous avez ici des noms de films. Ok. Et ici... Somme toute, des films très connus que tout le monde connaîtra. Tu veux expliquer peut-être? Peut-être que t'as envie d'expliquer avant. Je suis la petite, le petit oiseau qui fait les petites précisions sur le côté. Ici, on a des noms de films. Que tout le monde connaît. Toi, t'es pas le petit oiseau, t'es le truc Word là, tu sais. Des petites astuces avec l'ampoule là. Ici, on a des listes de mots. 10. Liste de 10 mots. Le but du jeu étant de placer vos mots en pitchant le film qu'on va vous donner. Il y a des mots simples et il y a des mots compliqués. Et surtout, il faut placer les mots sans se faire cramer. J'arrive. Non mais t'arrives, on sait pas où t'allais. On sait pas où t'allais, on avait tous... Ça. Hey, j'ai mis mon clignotant là, t'as pas vu T'es à contresens. Chérie, t'es à contresens. Le but du jeu étant de nous placer les mots sans que nous cramions le protagoniste. Je l'ai dit mieux tout à l'heure. J'ai dit la même chose en mieux il y a 2 minutes, vraiment. Cramate. Il y a des mots bleus qui comptent 1 point. C'est des faciles, des easy words. Ah, okay. Alors on dira les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Et on a les mots rouges qui valent 2 points. Plus compliqués à placer, évidemment. Voilà, tous ces mots et tous ces ont été choisis par notre juge ultime. Mike, monte ta tête. Il est toujours célibataire entre les deux vidéos, les gars. Donc, voilà, donc si les mots ne sont pas de qualité, sachez que c'est à cause de cette personne. Voilà. Nous, pour un maximum d'honnêteté, on ne sait pas quels sont ces mots. On ne pourra pas tricher. On a évidemment... Un timer, évidemment, un sablier. Attends, un sablier. C'est quand même un super beau... C'est pas si évident. Et ça fait du bruit. Voilà. Sachant que vous avez chacun 2 minutes, donc 2 tours de sablier. Et on a pris des boîtes à meufs. Elle fait vache, elle fait aussi mouton, tu vois. Elle fait aussi mouton. Ça, ça fait genre t'es en train de ken un mouton. Hein. On va se servir de ces buzzers pour informer qu'on pense qu'il y a un mot qui a été placé, d'accord? Si le mot placé est correct. Fin de la partie. Pour le mec qui fait son pitch. Et on comptera donc combien de mots il a réussi à placer. Si c'est incorrect, le mec continue son pitch. Et la personne qui a buzzé perd 1 point. Dis-nous, Daco, quel film va devoir pitcher Daniel. Les visiteurs. Okay. Prends ta liste de mots. J'ai vu. J'ai pas ça, le jeu. Et c'est parti, Daniel. Ouais, les mots rouges, tu peux pas me démarrer avec, quoi. Ok, ah oui. Alors, donc c'est une histoire qui se passe au Moyen-Âge. Genre, le Moyen-Âge, on connaît tous. C'est une époque, on est quoi, médiéval, 1300, 1100, d'après ce qu'on nous racontait nos professeurs. Donc, c'est une histoire où des mecs qui passent pour bon. Professeur, il y avait? Non. Si, ok, d'accord. Il est chaud. T'en as placé combien? 0, j'avais votre professeur. Eh, mais pour le coup, c'était pas mal placé. Hein. Ouais, mais tu te dis pourquoi tu parlerais de ça, quoi? T'aurais dû lui mettre un piège direct. Mais c'est ça, j'ai pas pensé au piège. Quel film je vais devoir pitcher, s'il te plaît, Daco? Taxi, ok. Et ça fait 3, 2, 1, Zumba Caféo. Ok, alors, c'est un film, Taxi, en fait, c'est un mec, c'est un peu un bandit. C'est un taxi, mais genre qui fait n'importe quoi. Il est recruté par un keuf.
pour pouvoir l'aider dans un truc de trafic, genre. Le film, il se passe à notre époque, et en fait, dedans, bah, pour les premiers, c'est Samina Seri et Frédéric Diffenthal, et qui vont devoir collaborer. Et dans le premier, si je prends Taxi 1, c'est contre des Allemands qui ont un peu la haine contre les Français, ils viennent pour essayer de nous niquer, quoi. Alors, qu'est-ce qui est bien dans ce film? C'est que, déjà, c'est un des premiers films avec Marion Cotillard qu'il a un peu... Premier? Non! Point, moins un, tu perds ton point! Et, bon, mon gars, ils sont chauds de night! Et donc, avec ça, ils vont repeindre leur... J'y crois pas, celui-là, mais faut buzzer, les gars, avec moi. Ils vont repeindre. Non. Ils vont repeindre leur truc et ils vont commencer un petit peu à s'ambiancer. C'est-à-dire qu'ils vont faire un peu de la Zumba à un moment. Non, tu m'inquiètes. Moins un, mon pote. T'inquiète. Il y a pas mal de guests dedans. Il y a un Ronald dans le commissariat. Je sais plus c'est qui. Je crois que c'est Légitimus. Légitimus, c'est lui, n'est pas dans le film, enfoiré. Mais il y a un Renoir qui ressemble. J'ai misé sur le fait que je me trompe. Crasse, t'es dur, hein. Ouais, y a des acteurs et donc. J'ai réussi à placer Époque et N. Putain, ils avaient la haine contre les Français. Ah, j'ai failli buzzer sur Époque en plus, mais c'est pas à notre époque et c'est des Allemands qui ont la haine contre les Français. J'ai placé 2 et toi t'as eu moins 1 mais t'as repris un point. T'es à 0. Et toi t'as moins 1. Moi je vais jouer autour du 0. Et j'ai l'impression qu'Anis il se mouille pas trop. Bah, j'ai peur, mec. Franchement, t'es trop fort, genre. Eh hey, Zumba, tu l'as eu, mec. C'était violent. C'est comme si devant moi, j'ai pas envie de buzzer, mec. Anis. Dites-moi. Tu vas devoir pitcher. Ce film. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Allez. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, de ce que je sais. Du coup, même ça va être approximatif. Un père de famille qui a plein de filles, chacune est avec un mec d'une confession, origine différente, classe sociale, logement, je sais pas, maison, à part tout ce que tu veux. Logement? Non. Dedans, t'as... Appart? Non. Maison. Et je sais plus les tafs qu'ils font les mecs, tu vois. Mais je sais que... Attends, il y a un juif, donc il doit faire un truc cliché sur les juifs. Je sais pas, moi, travailler dans une boucherie, rôtisserie, un truc comme ça. T'as un asiatique, il bosse dans un... Ouais, mais c'est ça le film, c'est stéréotype, non? Attends, j'ai peur qu'il... Il est malin. Stéréotype, restaurant, ce truc du genre. Bref, il y en a une... Restaurant? Non. Bon, et là, il y en a une qui sort avec un noir, c'est ça. Donc c'est l'hécatombe pour le père raciste, etc. Joué par Christian Clavier. Et non pas joué par Zinedine Zidane. Mais il y a un perso qui ressemble à un joueur du Real Madrid dans ce film, qui est Noum Diawara, qui ressemble un petit peu... Real Madrid? Non, il n'y a pas Real Madrid. Mais je pourrais citer d'autres joueurs du Real Madrid. On se perd, c'est pas parce que je dis Roberto Carlos qu'il faut que tu le... Roberto Carlos? Bâtard. Tu l'as noyé, t'as... Eh, mais t'as des couilles, toi. Eh oui, moi j'étais... Ouais, mais lui, il est malade, lui. Franchement, on peut pas jouer avec lui. Franchement, j'ai dit 10 joueurs, le seul qui l'a fait, c'est Roberto Carlos. Bâtard, va. T'as placé quoi, là? J'ai rien placé, mec. J'ai placé, si, juste rôtisserie. Ok, c'est à Daco. Ton pitch sera donc... King Kong, 1, 2, et c'est parti. C'est un grand singe. c'est un grand singe. Moi, j'ai pas vraiment vu le film, donc il me semble qu'il doit être dans une cage à un moment. Je sais qu'à un moment, il attrape une princesse. Princesse? Non. Il y a vraiment pas de princesse dans l'histoire. Ça, c'est Donkey Kong. Oui, il y a Mario qui arrive à un moment donné comme ça. On peut pas buzzer sur un mec qui dit n'importe quoi lui-même. Putain, j'ai pris moins un, putain. Je suis perdu de fou. En plus, non, mais les bateaux, speech en plus, c'est quoi? Bateau? Bâtard! Mais tu l'as bien placé, je me l'étais mangé. Putain, j'avais fourniture, bureau, locataire, bateau, cocktail, psoriasis, jachère, karaté kid, ulcéré, descente d'organes. Dans la réédition de King Kong, ils prennent un bateau pour aller sur une île. Ouais. Ouais. Non. Ouais, je te jure. Arrête. Ouais, je te jure. Et genre, ils ont des bureaux. Ouais, ils sont locataires. Non, c'est grave, c'est des grimes. Mais je pense qu'ils sont appuyés sur cette... Ouais. Et le but... C'est la bonne fiche, en fait. C'est juste... C'est le réel de Karate Kid. De Karate Kid. Ouais, tout est bon. Et à la fin, ça finit en cocktail. En descente d'organes. Tu vas devoir me pitcher E.T. J'ai pas vu, mais bon. Bon, c'est tu vois à peu près dans les grandes lignes. C'est une technique déjà, ça. Et c'est parti. Ok, donc E.T.
Film de un mec super connu, réel super connu. Spielberg, putain. J'ai pas vu le film. Spielberg. Je pensais Franck Gastambide. Mais donc c'est un film, ça commence, c'est un petit, il est tout seul chez lui. Ses parents, ils l'obligent à mettre des terres en jachère. À... Il est déjà tombé. Piège déjà fait. Il oblige, donc il est pas content chez lui, il est pas content. À un moment donné, ils se sont seuls. Et à un moment dans la nuit, il voit une grosse lumière. Donc il flippe un peu. Putain, c'est chaud. Il y va à cloche-pied. Non, je rigole, il va à nu-pied. Cloche-pied. Non. Et quand il... À nu-pied. Putain, mais on peut pas, on peut faire ça. Je pensais que j'ai dépassé, moi, ça y est. À nu-pied. Non, mais il a dit à nu-pied. À nu-pied. T'as mis à nu-pied. Je pense qu'il a oublié l'être. C'est va nu-pied. Va nu-pied. Va nu-pied. Alors, donc non, je l'ai pas placé. Donc il l'a pas placé. Le mec, il est obligé de crier et à un moment donné, ce qu'il fait, il se prenait un petit apéritif comme ça, il mange, bam, c'est, ça passe. Et bam, avec Kitty, il arrive au casino, il est avec son doigt, en fait, il gagne tous les points. Apéritif, casino. Bah attends, il en a fait deux, apéritif. Ok, d'accord, c'est bon, c'est bon. C'était apéritif? Ah mais parce que vous croyez que je jouais, moi je croyais que ça y est, j'étais mort avant, voilà, je les ai tous placés là. Apéritif, tu as placé? Ouais, non mais, ouais, tout était, apéritif, j'ai tout mis là, il y avait apéritif, casino, vaisselle, crier. Crier peut-être, il est passé en scred. Il se passe quoi là? Ah non mais il a dit à nu-pied. Donc il pouvait continuer, c'est ça dans les règles. Bah, dans les règles, il a pas pris un point de placement. Bah tu pouvais continuer en fait. Il y a eu un flou jury. Bah écoutez, alors j'ai placé crier. Qu'est-ce que t'as placé? J'ai placé crier. En fait j'ai dit apéritif et casino, mais genre à la fin. Tu t'es fait péter sur apéritif. Ouais. Donc t'as crié et casino. Crier, j'ai dit avant apéritif. Casino, c'était après. Ah oui, apéritif. Donc t'as placé crier. Ok, à moi. Avengers. Ok. Avengers, ok. On va faire des mots bleu ciel. Ok, alors Avengers c'est quoi? En fait, en vrai, il y a eu plein de films de super-héros déjà. Et ensuite, ils ont fait un film un petit peu choral avec tous les... Ça rentre, mais c'est bizarre. Hein. Tous les Avengers ensemble, donc t'as vraiment tous les héros qui sont là. Donc dans le début du film, si on prend, en fait, c'est celui qui est instigateur de ça, c'est Iron Man, et qui est Monsieur Stark. Donc il fait un discours, ils sont tous là, il leur dit pourquoi il faut qu'ils puissent se rapprocher. Attends, il y a un discours. Putain, ok. J'en ai pas calé un, mon gars. J'ai mis trop de mots chelous au début pour vous dire, ils vont pas tenter. T'as fait un bon démarrage. Mais non, mais il a jamais fait un discours. Si, il fait un petit discours. Il leur dit, les gars, c'est pas si important dans l'histoire. Il fait une petite réunion à la limite, un meeting, mais c'est pas un discours. Il fait un petit discours. Il fait un truc. Il a pris Bercy, tu sais, genre, il est là, c'est notre projet. Non, mais, il a pas fait un discours, mec. Putain, j'ai le seum. Anis, Avatar. Ok, c'est Tipa. Bon, Avatar, faut savoir que, pour vous expliquer un peu l'histoire, c'est un film de James Cameron. Histoire. Non. Attends, t'as vu comment c'est un film? Mec, personne dit pour vous expliquer un peu l'histoire avant. 3-1. C'est un film de James Cameron. Il a fait Titanic et il a fait Avatar, le mec. Les deux films qui ont été le plus rentables de l'histoire. Rentable? Non. Loser. Au box-office. Donc le mec, il est bankable de ouf, tu vois. C'est-à-dire le mec, quand tu reçois un coup de fil du man, tu décroches ton téléphone direct. Tu sais que tu vas taper dans les millions. Tu vois ce que je veux dire? Lequel des deux? Téléphone? Mais t'es un bâtard, toi! Coup de fil! Mec, t'es chaud! Parce que tu l'avais bien placé! Hein. Ah, je l'ai tellement bien placé, mec! T'avais placé des mots ou pas? Rien, mec! Un malin, malin et demi! Mais non, ça c'est parce que t'es nul, je comprends pas là! Comment t'as fait? Soit t'es un génie, mais que depuis là! Comment tu peux faire? Soit cohérent, mec! Non, bien joué, franchement, bien joué! Tu l'avais tellement bien tamisé! Attends, j'ai dit tellement de mots! Alors, mon mot, enfin mon film, Le Roi Lion! Le Roi Lion! Enfin, il tombe! Et c'est Tipa! Bon, j'ai pas vu le film, mais je pense que. J'ai trop vu le film. C'est l'histoire d'un lionceau, du coup. Même pas. Alors, à la base, c'est genre un singe un peu maléfique, tu vois, genre qui essaye de. Maléfique? Non. C'est un singe un peu maléfique, tu vois, genre. C'est pas maléfique, Mais c'est une bonne technique de mal pitcher. Ça prend de la place. Qui fait genre des dessins sur des cavernes, tu vois, genre. Et à un moment, le singe, il lève le lion et il le conseille sur son futur, son passé. Bref, ça, c'est pas la partie importante. La partie importante. La partie importante pour l'avenir de l'histoire. Attends, il a buzzé, attends. C'est quoi? Conseil? Non.
Loser. J'ai même pas dit conseil. Conseil. J'ai dit conseil. Ok, d'accord. Attends, on va. Bref, le petit Simba, c'est celui qui va devenir roi, machin, tout ça. Et Mufasa, lui dit voilà, ça va être ton territoire. Tout ça, là, avec les hyènes et compagnie. Il dit ton royaume, c'est territoire. Non. Non. Royaume. Et le problème, c'est qu'il y a son ref, Scar, qui d'aventure est un méchant. Aventure. Non, de surcroît, c'était pas ça. Donc du coup, il sacrifie Mufasa au niveau des, au milieu des gnous là, tout ça. Donc du coup, le petit Simba, il est un peu tiraillé. Du coup. Pardon. Avenir tout à l'heure. Ah, en soirée. Ah ouais, putain. Mais je leur dis il y a longtemps. Je dis il y a longtemps. Comment il a tenu le temps, autant le temps à le traiter? Il dit il y a longtemps, mon gars, c'est abusé. Il a traité longtemps. Ouais, pardon, s'il est passé chez ma secrétaire, le temps que le fax arrive. Ça a mis du temps, je suis désolé. Non, en fait, je me suis dit... Je sais plus quand est-ce qu'il a dit à venir. En fait, c'est trop bizarre comment t'as dit à venir, parce que t'as dit futur avant, on dirait que tu nous l'as préparé. Et après, mais après, j'allais dire futur. Et après, en fait, j'étais en train de traiter les deux, je disais futur ou avenir. Et je me suis dit, Mike, non, il aurait pas mis futur, c'est comme ça que... J'ai dit, il aurait plus mis avenir, non, mais je te jure. Et pour ça que j'ai mis du temps, en fait. Et t'en as placé plein, quand même. Je vous ai placé deux surcroît, en rouge. Oh, le bâtard. Et t'as placé d'autres? Non, j'avais avenir, mais bon, du coup... Ok, Daniel. Allez, troisième tour, parce qu'on s'amuse vraiment beaucoup. Franchement, Fast and Furious. Ok, bon, ça voilà, un film rapide et furieux. Magnifique. Ok, go. Ok, Fast and Furious, un film de voitures et de mecs. Voilà. Il y a des mecs chauves, des mecs poilus. Il y a un mec... Poilu. Non. Loser. On est tous en train de rôder là, hein. Baisse pas comme ça. Donc un film, il y a un mec qui est mort, un mec qui est toujours vivant, le chauve qui est toujours vivant. Le film il se passe, c'est un flic qui rentre dans une bande de mecs qui font des courses, dans une bande de mecs du Nord. Forcément, c'est des gars qui aiment le tuning. Et ce qu'il faut, donc avant de rentrer dans le gang, ils font du repérage. Il est dur à lire. Ils jouent n'importe comment, c'est dur à lire. Ils surveillent les gars, ils font des surveillances nocturnes, ils font des photos, ils font des vidéos. Oui. Des photos? Putain, bâtard. Ouais, t'es fort, hein. Des photos? Oui, mais ça pouvait être vidéo. Parce qu'il met vidéo. Non, mais j'ai hésité entre les deux. Photo ou vidéo? Moi, il aurait dit non, j'aurais dit vidéo après. T'étais sur le deuxième ballon. T'en as placé? Non. Ok. À mon tour. Black Panther. Ok. 3, go. Alors, Black Panther, c'est un film, c'est un des Avengers. Tout à l'heure, j'ai eu Avengers, là, j'ai Black Panther. C'est un film, ils font ça dans Marvel, ils font les films solo des mecs. Et ça, c'est un des films qui a le plus plu au public, parce que je pense que c'était la première fois qu'il y avait un super-héros black. Donc, ça a vraiment marché de ouf. Pour l'histoire du gars, en fait, c'est un mec qui a été élevé dans notre monde à nous. Mais en fait, il est normalement l'héritier du trône de Wakanda, tu vois. Qui est un monde que tu peux pas voir, les hommes peuvent pas le voir. Si, c'est ça, c'est un pays en Afrique que personne ne peut voir. Il a été élevé dans notre monde à nous ? Non, il a été élevé là-bas, tu confonds avec le méchant, mais on s'en fout, vas-y, laisse-le. Moi, je veux qu'il place les mots, là. Et donc, voilà, et donc dans ce monde-là, en fait, t'as des tribus qui sont un peu plus la hesse pour eux, tu vois. Et t'en as d'autres, ils sont vraiment dans une technologie de ouf. T'as vraiment des écarts assez fous. Mais le point commun, c'est qu'ils sont tous d'obédience africaine, mais parce que c'est en Afrique. Et donc ensuite, t'as... Quoi ? Obédience. Putain ! Tu l'aurais jamais dit comme ça ! Tu l'aurais jamais dit comme ça ! J'ai placé public. Ah bah bien joué. T'aurais dit d'origine, t'aurais pas dit d'obédience. Mais j'ai dit d'origine et d'obédience. J'ai dit calé. Tous les mots. Toy Story. Mortel. C'est un. J'aurais kiffé tomber là-dessus, moi. J'aurais kiffé tomber là-dessus. Allez, c'est parti, Anis. Toy Story, je pourrais vous le pitcher avec, en restant dans l'univers des jouets. Mais pour moi, c'est un peu un film de gangster. C'est un peu un film de yakuza. Oh, le piège. C'est un peu un film de samouraï, même. Ah, on a placé trois, il nous noie. On est acculé. On est trois, on prend un chacun. Non, mais prenez un des trois, si vous voulez. Prenez même Biker, par exemple. Un film de Biker, peut-être. En tout cas, c'est un film de bande. C'est ça que je veux vous dire, c'est un film de bande. C'est une équipe. T'as pas intérêt à avoir mis des trucs bizarres là, ce qui rentre pile dans ça. C'est une équipe, ok ? C'est des mecs, ils
ils ont la mentalité, voilà, Yakuza, ok. T'as des jouets qui représentent des animaux. C'est pas du tout le pitch, moi. T'as des jouets qui représentent des animaux. T'as le zigzag, c'est le chien. Équipe. Non. Blues. Ah, t'as le... T'as le T-Rex, t'as la patate, t'as Woody le cow-boy, t'as Buzz l'éclair, je sais plus, l'astronaute, ok. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça ressemble au, je sais pas si vous connaissez le film Les Liaisons Dangereuses. Ouais. C'est un film avec des lettres, ils s'envoient des, enfin, c'est tiré d'un roman. Non mais vous voyez un roman où ils s'envoient des lettres, on appelle ça un roman. Épistolaire. Voilà. Toy Story. Il me fait dire les mots, carrément. C'est un faux. C'est un film, non mais t'as raison de dire épistolaire parce que c'est le mot que je cherchais, mais en l'occurrence... Pour moi c'est... Je m'en bats les couilles, épistolaire, épistolaire. C'est épistolaire. Tu m'as fait dire. Ouais mais je me suis dit peut-être ça compte pas, mais en vrai je voulais lui faire dire, je me suis dit oh je suis chaud. Après je me suis dit s'il me dit ça compte pas, je vais lui faire dire. Parce que tu l'as arrêté. Ça aurait été technique hein, ah je l'ai pas dit. Ah c'est technique hein, c'est technique, techniquement tu l'as pas dit hein. Oui, c'est pour ça que je l'ai redit. Est-ce que ça lui compte comme un truc ou non, mais il a redit, elle a redit. Ah, tu l'as redit. Je l'ai redit. Attends, ouais. Ouais. Oui, mais c'est pour bon. Ouais, tu t'es dit. En fait, je me suis dit, s'il si me le compte pas, je vais être deg. Non, le mastermind, ça aurait été. Voilà, il buzz. Non, c'est pas moi qui ai dit épistolaire. Et il continue. Parce que là, il l'a dit, tu sais ce que je veux dire. Ça, c'était le masterclass. Là, il faut le rebuzzer derrière. Non, mais il a buzzé parce que je l'ai redit. Ah, c'est malin, c'est malin. T'en as placé ou pas? Zéro, mec. Non. Yakuza, tout ça là. Non. Ah, si, si, j'ai dit mafia. Non. Ah merde, c'était le seul. Je me suis perdu dans les... Non, mais je crois que je l'ai pas dit. Je crois que t'as raison. Non mais vous... Non, je crois que je l'ai pas dit. Ah peut-être, vous reverrez, mais je crois que malheureusement, je l'ai pas dit. Comment t'as mis ça? J'ai tout dit sauf mafia, je crois. Ok, allez, la dernière. Transformers. Je ne l'ai absolument pas vu, celui-là. Vas-y, go. Alors de ce que j'ai cru comprendre, je crois que c'est des... Non mais c'est des voitures, des combats de voitures quoi, c'est des grosses... ça c'est des voitures qui se transforment et qui de... Ok, je pense qu'il doit y avoir une voiture témoin. Une voiture qui... Témoin. Témoin. Une voiture témoin. Tu crois on est un concessionnaire? C'est un film. Un bail de genre de le Bruce Banner de là-bas qui fait des trucs sur le... sur les voitures. Putain, c'est compliqué mon gars. Donc de ce que j'ai compris, les voitures se transforment. Elles se bagarrent avec d'autres voitures, pas transformées. Donc du coup ça doit donner des combats pas très équitables, pas très justes. Et qu'est-ce que je peux tenter là-dessus? C'est compliqué. Du coup ces voitures elles doivent chercher quelque chose, je suppose, sinon il n'y aurait pas eu de film. Mais arrête de nous poser des questions. Pitch-le ton film, bordel. Elles doivent essayer, je sais pas, de... C'est pitoyable, c'est dur. Pitoyable. Enculé. Oh, bien. Je le connais. Il est dans l'acting. Mais oui. Il crée un perso. C'est dingue. C'est pitoyable. Hey, il avait une réplique, là. De surcroît. Oui. Tout repose sur son... Quand même placé combat. C'est des combats de voiture. Ah ouais, dès le début. Ouais. Ah, tu l'as mis très, très vite, celui-là. Ouais. Ouais, franchement, bien joué. Après, j'allais faire... Maradona, Hurluberlu, Sarrazin, va des rétro, c'est fini, j'ai tout dit. J'avoue, tu peux la jouer comme ça, sur le fil, Fergie Time. T'aurais pu. Ok. Monsieur, c'était très très drôle. On va compter les points en post-prod et le gagnant de cette partie... Le saura plus tard. Et ça, c'est bon de le savoir après. Ça doit jouer sur je pense c'est à Nice, non? Ouais, au final, j'ai perdu plein de points à la fin, là, franchement. Ouais, parce qu'à la fin, il a quand même il a plus pris des risques sur le buzzage. Et je marquais plus, surtout. Que perdre. Merci, monsieur, d'être venu. On s'est éclaté. Ouais, merci à vous, les gars. Franchement, c'était vraiment... En même temps, c'était un petit peu nostalgique. Parce qu'on a fait des films, ça m'a fait plaisir. Des films cultes. Voilà. On a un peu souillé le Roi Lion dans cette... On s'excuse auprès de Walt Disney. Moi, quand c'était Transformers, ça m'a rappelé des trucs dans mon enfance. Ouais, laisse tomber, je suis trop content. Allez checker la chaîne de Daniel et Danis. Il se passe des choses vraiment très cool. D'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai fait un court-métrage sur le Roi Lion. En fait, dans le court-métrage que j'ai fait, j'ai transposé l'histoire actuellement. Okay. Et du coup, t'aurais pu me placer bien. Et du coup, j'aurais pu pitcher la vidéo sur ma chaîne parce que ça se passe en mode maintenant, tu vois. Quand tu l'avais, j'étais en mode ah les boules, tu vois. Parce que en fait, en gros, ça se passe dans une soirée, c'est des mecs de maintenant. Enfin, c'est trop. T'es en train de nous dire que t'aurais pu gagner sur ça? J'aurais aimé. Ça aurait fait de la promo et une victoire. Eh ben, on vous met le lien de cette vidéo là dans la description. On vous fait la promo et on verra s'il y a eu la victoire. J'espère. S'il y a eu la victoire. On vous aime, on vous embrasse. Donnez-nous des films que vous aimeriez qu'on pitch et des mots incongrus à placer. De surcroît, non?
Pardon, je... ma secrétaire vient de m'envoyer. Vient de m'envoyer. Pour la prochaine vidéo. Pour la prochaine. On vous aime, paix, amour et le mot de la fin, d'accord? De surcroît. C'était ça le mot. Alors on espère que t'as kiffé cette petite vidéo. Bon, tu connais le principe, hein? Le pouce bleu, le commentaire, et on s'abonne. Tu t'abonnes, allez, on te regarde. Abonne-toi.